Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Devant les accès, oserais-je dire les excès, des théories féministes, on peut se poser la question de savoir quelle est la place de l'homme dans la société d'aujourd'hui. C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre au cours de notre émission. Pour répondre à la question « qu'est-ce que la masculinité ? Qu'est-ce que l'homme fait ? Quel rôle exerce-t-il dans notre société actuelle ?» j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Le docteur Jean-Paul Van Wettereux, vous êtes psychiatre et psychothérapeute, et puis un pédagogue, M. Jean Gabart, vous êtes déjà venu à l'émission nous parler de votre ouvrage intitulé, de façon un peu provocatrice peut-être, enfin vous le direz, « Le féminisme et ses dérives, rendre un père à l'enfant roi », ouvrage publié aux éditions de Paris. Ma première question, messieurs, porterait sur ce concept de masculinité. On comprend bien ce que c'est que la féminité, mais qu'est-ce que c'est que la masculinité? En quoi est-on un être masculin? Docteur. Bien, je pense qu'il faut parler d'abord de en quoi est constituée l'identité de l'homme. Mais je pense que la première des choses, c'est évidemment le patrimoine génétique. C'est ce qu'on appelle l'identité chromosomique. Pour être un homme, il faut que la 23e paire de chromosomes soit XY et que donc on soit en détention de cette Y qui va faire la différence avec l'identité de base, plutôt féminine, qui est le chromosome. Est-ce que c'est un plus, ce Y, par rapport au XX? Alors, c'est peut-être... Comprenez plus avec le sourire. Hein. Bien sûr. En tous les cas, ce Y va déterminer la suite des événements. Et donc, de ce point de vue, il est très important, puisque... on estime plus ou moins à la 7e, 8e semaine de la gestation qu'une partie de cet Y va se manifester, en particulier le gène SRY, qui va déclencher une succession de réactions qui vont aboutir progressivement à la constitution des testicules, des organes génitaux masculins et de la sécrétion de la testostérone qui va influencer considérablement non seulement l'évolution du fœtus dans le ventre de sa mère, mais aussi à la naissance et puis bien plus tard. Donc, si vous voulez, cet Y va conditionner tout cela et orienter certainement une certaine forme d'identité. Et c'est cette hormone, la testostérone, qui en fait marque le plus fort la différence entre les hommes et les femmes. Absolument. Entre autres parce qu'elle va influencer toute une série de choses, les réactions émotionnelles, mais aussi, par exemple, un noyau qu'on appelle le noyau sexuellement dimorphique qui se trouve dans la région préoptique au niveau de l'hypothalamus. Et sous l'influence de la testostérone, ce noyau va grandir. Et c'est entre autres une des différences qu'il y a au niveau cérébral entre les hommes et les femmes, c'est que ce noyau est extrêmement développé chez les hommes et très peu, puisqu'il n'y a pas cette influence de la testostérone. Donc les différences physiologiques vont entraîner une série de conséquences, en quelque sorte. Bien sûr. Donc il va y avoir cette identité anatomique qui sera différente pour toute une série de choses. Autre chose est évidemment de se sentir homme. Et là, on rentre dans un autre domaine. Dans la psychologie, là. Plutôt de la psychologie, l'influence de la culture, de la société. Et puis encore, il y a l'étape ultime de cette identité, c'est le choix sexuel. Donc c'est l'identité sexuelle, la préférence sexuelle ou l'inclinaison, comme disait Freud, pour aller choisir plutôt un objet qu'un autre. Voilà ce qui constitue, à mon sens, le fondement de l'identité d'un homme. Voilà. J'ai le souvenir, assistant à une soutenance de thèse, mais il y a quelques décennies déjà, que le récipiendaire disait, c'était une thèse de gymnastique, que par rapport à la force physique, l'homme et la femme ne sont pas du tout sur un pied d'égalité, et que l'homme peut accomplir des prouesses physiques, en gymnastique par exemple, dans les sports, que la femme ne peut pas accomplir. Donc il y a aussi... Sur le plan proprement physique, la complexion de l'individu, il y a des différences, les différences hormonales. Bien sûr, il y a toute une série, disons, de fonctions qui sont peut-être plus développées chez un sexe que l'autre, et on pourra peut-être y revenir. Mais vous abordez d'emblée déjà une question qui, moi, me paraît fondamentale, c'est la question de l'égalité et de la différence. Alors, c'est clair que les démocrates que nous sommes, nous tenons...
profondément, fondamentalement, à l'égalité entre l'homme et la femme. Entre les citoyens. Alors, du point de vue politique. Entre les citoniens. Voilà, du point de vue politique. Je parlerai plus précisément d'égalité en droit. Voilà. D'égalité en droit, et pas de droit à l'égalité, oui. Comme vous le dites dans votre propre ouvrage. Donc, il n'y a pas d'égalité foncière, physiologique, hormonale, mais ce que nous souhaitons en tant que démocrates, bien sûr, c'est réaliser une égalité dans les droits, dans les moyens d'expression entre les hommes et les femmes. Mais je pense que c'est important d'insister sur, sur ce point-là, parce que quand on parle de différence de sexe, on pourrait très vite être jugé comme étant quelqu'un qui n'est pas politiquement correct. Comment oser aborder cette question de la différence? Mais je crois qu'il est très important de se souvenir que tout ce débat n'a de sens à mes yeux qu'avec la toile de fond qui est l'égalité politique, économique, sociale, et que là, il y a sans doute encore des tas de choses à faire évoluer. Et moi, je serais plutôt à côté de tous les combats qui font évoluer la lutte contre la discrimination entre les hommes et les femmes. Mais ça n'empêche qu'en même temps, et c'est toute la complexité, il y a beaucoup de pistes qui laissent à penser qu'il y a une différence entre l'homme et la femme dont il faut tenir compte et voir, disons, comment se positionner. On pourrait dire qu'il y a là une discrimination fondamentale, puisqu'elle est liée au fonctionnement même de l'individu. Non pas dès sa naissance, mais vous le disiez il y a un instant, déjà à l'état des fœtus, déjà dans le ventre de la maman. Je préfère parler de différence que de discrimination. D'accord. Je pense que c'est un glissement de vocabulaire. Oui, discrimination est un terme beaucoup plus politique. Hein. Voilà, je pense. Il y a des différences fonctionnelles, des différences hormonales, des différences dans la complexion, qui sont importantes, qui sont visibles et qui sont aujourd'hui un peu niées parfois par celles qui représentent ce qu'on appelle la théorie du genre. Expliquez un petit peu ce que c'est que cette théorie du genre. Mais je pense que cette théorie du genre, en fait, cherche à découpler complètement ce qui serait le sexe masculin ou féminin de ce qui serait le genre, qu'on appelle souvent le sexe social, c'est-à-dire l'ensemble des responsabilités, des comportements, des habitudes de chaque être. Et si vous voulez, elles ont cherché, je pense, à déconnecter ce qui serait de la nature, de l'ordre du biologique, qui constitue la différence des sexes, et puis ce qui serait de l'ordre culturel, qui serait attribué donc à ce genre qui subit l'influence de la culture, de l'environnement, et en fait, on vient contester l'ordre naturel des rôles attribués aux différents sexes. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait peut-être en partie résumer cette théorie du genre. La théorie du genre avait l'avantage quand même qu'elle réagissait contre les théories naturalistes qui faisaient que l'homme, par sa nature, était fait pour certaines fonctions et la femme, par sa nature, pour d'autres rôles. Exactement. Donc là, de ce côté-là, la théorie du genre a fait bouger les choses dans le bon sens. Simplement, bien sûr, la théorie du genre, donc, qui accorde la plus grande importance à la construction sociale, oublie ce qui a été dit donc, sur le biologique et oublie aussi ce qu'on pourrait appeler la structuration du psychisme. Le fait qu'un homme est né d'une personne qui est du même sexe, alors que la femme est née, qui est du sexe différent, alors que la femme est née d'une personne du même sexe. Elisabeth Bonnater, qui appuie pourtant la théorie du genre, disait qu'il y avait un privilège pour les femmes d'être nées d'une personne du même sexe. Moi, je ne parlerai pas de privilège, je parlerai simplement de différence, mais cette différence existe bien. Elle le dit elle-même, et elle est en cela un peu en contradiction avec elle-même quand elle dit qu'on est femme parce qu'on est construit en tant que femme, et on est homme parce qu'on est construit en tant qu'homme. Donc, bien évidemment, les choses ne sont jamais très simples, et il n'y a pas qu'un seul domaine qui fait un homme ou une femme, il y en a au moins trois, le biologique, la structuration du psychisme et bien sûr la construction sociale. Alors justement, la position du bébé devant la maman, selon qu'il est un homme, un garçon ou une fille, ça va déclencher un certain nombre de réactions. Quelles sont ces réactions, docteur? Alors je pense que certains théoriciens pensent que dans les premiers mois, les premières années, les réactions garçons et filles sont relativement similaires. Mais il y a un moment donné où le garçon va devoir
se différencier de sa mère. Et donc, si vous voulez, il va y avoir un moment tout à fait particulier où il va investir en quelque sorte sa différence sexuelle, sa différence anatomique, pour pouvoir se dégager de cette mère, pour pouvoir affirmer... Qui est toute puissante à ses yeux. Qui est bien sûr toute puissante, puisque dans les premiers mois, les premières années, la mère lui apporte tout en quelque sorte. Et que donc, il y a une espèce de toute puissance dont il doit se dégager. Et pour ce faire, il va devoir s'appuyer sur cette différence, entre autres, anatomique, sexuelle. Et donc, si vous voulez, ça va être une étape tout à fait cruciale, qui est très différente pour la petite fille, puisque lui, il va devoir affirmer son identité masculine face à une femme qui est différente de lui. Avec, en même temps, ce qu'on appelle l'angoisse de castration, c'est-à-dire qu'au moment même où il va s'appuyer sur cette différence anatomique, il y a le risque potentiel de la reperdre et de revenir en arrière à cette féminité primaire dont il a, entre autres, été l'allié, je dirais. Et donc, c'est une étape très, très différente entre le garçon et la fille, puisque cette opération ne doit pas se faire du côté féminin. Et alors, dans la suite, quand le garçon devient adolescent et puis devient adulte, il garde des traces, des marques du souvenir de cette opposition. Et certains hommes, qu'on dirait machos ou bien à la masculinité très affirmée, sont peut-être, ont peut-être mal réglé ce problème avec, du lien avec la mère. Ou bien en conservent les échos dans leur comportement ultérieur. Il n'est pas sûr que les machos aient vraiment assumé leur masculinité. Il me semble plutôt que c'est le contraire. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui n'arrivent pas à assumer la différence et le fait d'être différents de leur référence première, c'est-à-dire la maman. Et à partir de ce moment-là, ils ont besoin de la manifester continuellement. Et cette différence, vous l'avez bien dit, donc est une différence qui est bien marquée, puisque le petit garçon se aperçoit, donc dès qu'il s'aperçoit de la différence des sexes, et d'abord c'est quelque chose qu'il entend, hein, en disant « elle » pour une fille, en disant « il » pour lui, il entend la différence, et à ce moment-là, donc pour lui, ça veut dire qu'il ne pourra jamais être comme sa référence première, comme sa maman. Et pour lui, c'est une castration psychique qui est terrible. On appelle ceci la castration primaire. Et pour pouvoir supporter cette différence, il est obligé de la refouler. Sinon, il ne pourrait pas survivre. C'est quelque chose de vraiment très fort. Et refouler cette souffrance, eh bien, il essaye de se prouver qu'il n'a jamais souffert. Et pour prouver qu'il n'a jamais souffert, eh bien, il essaye de se prouver qu'il n'a jamais voulu être comme sa maman. Et donc, eh bien, bien sûr, il se prouve qu'il n'a jamais voulu être comme sa maman en disant que ce modèle-là, il n'en veut pas, que ce modèle-là n'est pas le bon. Et lui, à partir de ce moment-là, il pourra se tourner vers un autre modèle qui est celui d'un homme. Donc ce machisme est davantage d'origine psychique que d'origine culturelle. J'avais la vision un peu idiote, sans doute, hein, mais de la théorie des climats de Montesquieu, on voit que les gens sont plus machistes dans les sociétés méridionales et un peu moins dans les sociétés septentrionales. Et je me disais que peut-être en Norvège, on était plus accessible au féminisme qu'en Afrique, mais ce n'est pas ça la véritable explication. Comme toujours, il y a plusieurs choses. Superposition du culturel. Superposition. Mais donc, c'est-à-dire que, comme tout petit garçon, l'homme a besoin à un moment de dénigrer la femme pour se constituer autrement. Justement, pour pouvoir supporter cette souffrance, cette castration primaire. Et devenu homme, adulte, eh bien, tous les humains, même adultes, n'arrivent pas forcément toujours à très bien assumer cette différence. Et de là, le besoin de certains de réaffirmer constamment, d'être constamment dans le refoulement et de dénigrer complètement la femme. Mais au-delà des différences hormonales, on observe aussi dans la réalité des différences d'aptitude entre les hommes et les femmes. Je prends un exemple, on aura souvent remarqué que les femmes ne s'en sortent pas avec une carte routière. Hein, madame qui est à côté du conducteur ne parvient pas à dire à son mari ou au chauffeur « Tiens, tu dois prendre par là ou tu dois prendre par là ». Ce défaut d'aptitude est particulièrement féminin, dit-on. Est-ce vrai, docteur ? Alors, je pense qu'il y a tout un domaine qui est en train de se développer grâce à l'apport énorme de l'imagerie cérébrale, où on peut maintenant quasiment faire une photo cellulaire de ce qui se passe dans un cerveau au moment même où l'être humain fait tel ou tel acte, pose tel ou tel geste. Alors, il semble quand même qu'il y ait effectivement des études qui confirment
qu'il y ait des différences sexuelles au niveau du cerveau. Et en particulier, ce que vous évoquez, c'est que dans pas mal d'études, il ressort que l'homme a beaucoup plus de facilité dans les tâches topographiques qui ont à voir avec l'espace, et de même avec, disons, les tâches qui ont à voir avec la mathématique. Et donc plus d'ingénieurs hommes que d'ingénieurs. En tous les cas, il y aurait une prédisposition à ce niveau-là. En même temps, du côté féminin, ben, il semble que les tâches... Donc une force est le double cerveau, en quelque sorte, les tâches qu'elles peuvent faire concomitamment. Les femmes, vous voulez dire? Oui, les femmes. Alors là, c'est tout, historiquement, il y a eu tout un débat autour le corps calleux, qui est cette structure neurologique qui est faite de fibres qui vont d'un hémisphère cérébral à l'autre. Et je pense qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait toute une littérature pour prétendre que la femme avait un corps calleux nettement plus développé que les hommes et que ça leur permettait aux femmes à faire, par exemple, plusieurs tâches en même temps. Il s'avère aujourd'hui que les études beaucoup plus précises ne montrent pas cette différence. Il n'y a pas de différence au niveau, disons, de la taille de ce corps calleux. Par contre, il y a peut-être des différences au niveau de la forme. Mais ce qui est apparu à travers ces études, c'est aussi l'influence des hormones sur ces fonctions-là. Et par exemple, le taux de testostérone influence immédiatement les capacités, la possibilité de réaliser cet âge. Quand la testostérone est haute, ben, l'homme est moins performant, par exemple le matin. Et quand la testostérone est basse, par exemple le printemps, ben, à ce moment-là, les fonctions sont beaucoup plus facilement réalisées. Donc... ce qui se disait depuis très longtemps, que les femmes avaient plus de mal avec les cartes, par exemple, eh bien, c'est aujourd'hui, grâce à cette imagerie, on parvient à déterminer des différences sexuelles au niveau de ces fonctions cérébrales. Mais nous sommes vraisemblablement qu'au balbutiement de toutes ces découvertes. Mais c'est clair que le cerveau, semble-t-il, sur base de toutes ces études, est sexué, en fait. Il y a une différence sexuelle à ce niveau-là. J'ai un ami qui me va répétant... Mais tu sais, les femmes, elles ne reçoivent pas des prix Nobel. Hein. Alors je lui réponds, mais Marie Curie, elle en a eu deux. Mais c'est vrai, si l'on considère les résultats des prix Nobel, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes savantes. Pourquoi? Pourquoi cette différence? Est-ce qu'il y a une explication à cela? Ce n'est pas seulement culturel, puisqu'aujourd'hui, dans les laboratoires, dans les universités, il y a autant de professeurs masculins que féminins. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Il y a toujours une pression sociale, c'est sûr. La construction sociale sexiste existe toujours encore. On peut pousser davantage les hommes à faire telle chose, les femmes à faire autre chose. Mais c'est vrai que bon, il y a toujours les différences biologiques. Il y a toujours cette différence psychologique, construction du psychisme différent. Et, mais, vous attribuez ça à la pression sociale, non, mais qui serait plus forte sur les hommes. Non, non, la structuration du psychisme aussi fait que les hommes ont tendance à être plus attirés déjà par le pouvoir que les femmes, puisque les femmes ont déjà inconsciemment un certain sentiment, donc un fantasme de toute puissance, alors que les hommes savent, depuis qu'ils se sont rendus compte de la différence des sexes, qu'eux ne seront jamais tout puissants. Donc ils essayent d'acquérir le pouvoir, de conquérir le pouvoir, pour se mettre au niveau des femmes. Au niveau des femmes, d'ailleurs, qui cherchent à admirer les hommes. Pour admirer les hommes, ça veut dire se voir dans le regard de l'autre. Donc pour pouvoir se voir dans le regard de l'autre, il faut que l'autre soit au même niveau. Donc c'est pour ça que l'homme essaye de conquérir le pouvoir pour espérer arriver à ce niveau. Font toutes ces différences entre prix Nobel masculin ou féminin, ça dérive toujours de ce fameux état de psychique de l'enfance. Il y a une différence de motivation. Edith Cresson l'avait très bien dit. Le pouvoir politique, économique accentue le pouvoir de séduction d'un homme et diminue celui d'une femme. Pourtant, elle a été Premier ministre. Oui, donc elle sait très bien de quoi elle parle, justement. Elle s'est bien rendue compte que pour elle, ça ne lui servait pas à grand-chose de ce côté-là. Et il y a bien sûr aussi d'autres choses qui peuvent expliquer cette différence de motivation au niveau des hommes et des femmes. Il paraîtrait qu'au niveau des mathématiques,
les découvertes mathématiques entraînent une jouissance chez l'homme et absolument pas chez la femme. La femme peut avoir du plaisir à faire une découverte, mais ça n'atteint pas le niveau de jouissance que les hommes atteignent à ce moment-là. Et on pourrait voir qu'à ce moment-là, à cet endroit aussi, les niveaux de jouissance ne sont pas toujours les mêmes. On pourrait dire très souvent, d'ailleurs, quand il se passe quelque chose chez les hommes au niveau psychique, c'est physiquement chez les femmes et inversement. Vous vouliez ajouter quelque chose, docteur Van? Je pense qu'on pourrait y voir aussi le goût presque naturel et influencé, entre autres, par la testostérone, de la compétition, en fait. Et je pense qu'il y a peut-être là une piste qui fait que l'homme serait plus à la recherche de valorisation sociale, y compris jusqu'à chercher à obtenir un prix Nobel, parce qu'il a un goût fondamental de la compétition. Il aime la bagarre. Une prédisposition, une forme d'agressivité ou de lutte, et que donc, peut-être, ça pourrait être une autre cause de pourquoi il y a plus de prix Nobel masculins que féminins, mais peut-être que les choses vont changer, puisque aujourd'hui, compte tenu de toute l'évolution, cet esprit de compétition, on le retrouve également, et peut-être de plus en plus, chez les femmes. Et donc, peut-être que les choses vont changer aussi de ce point de vue-là. Donc, tout n'est pas hormonal, puisque les femmes, vous dites, ont aujourd'hui plus d'esprit de compétition que les hommes. Mais moi, je ne suis absolument pas convaincu que tout soit hormonal. Oui. Simplement, je crois qu'il faut pouvoir peut-être se sortir de ce dualisme entre tout est biologique, tout est culturel, et puis c'est soit l'un, soit l'autre. Et cette chaque fois, les trois aspects. Oui. Voilà, les trois aspects qui se mêlent. Je voudrais vous poser une question de la situation de l'homme aujourd'hui au sein de la famille. Quand on regarde autour de soi, on observe que beaucoup de familles sont éclatées, que beaucoup de femmes vivent seules avec leur ou leurs enfants, éventuellement avec un nouveau compagnon. J'imagine que pour l'enfant, l'absence du père, ça a des conséquences importantes et graves. Alors, vous qui êtes pédagogue, vous avez vécu la situation dans vos classes. Oui, oui. Il faudrait distinguer là aussi deux domaines. Il y a l'absence du papa, mais quoi qu'on peut dire qu'en général, le papa est de plus en plus présent depuis une cinquantaine d'années, beaucoup plus présent qu'avant. Donc le rôle de papa est de mieux en mieux joué actuellement. Par contre, il y a un autre domaine, et c'est la fonction de père qui, elle, est de moins en moins jouée parce que cette fonction de père est assimilée au rôle sexiste qui existait avant. Alors qu'on parlait très souvent de père avant et de fonction de père, je dirais que très souvent d'ailleurs avant, la fonction de père n'était pas jouée, puisque celui qui était censé être dans la fonction de père était très souvent dans l'autoritarisme, et l'autoritarisme, c'est une fonction de dictateur, ce n'est plus une fonction de père. Actuellement, justement, parce qu'on réagit contre cette fonction qui était une fonction un peu dictatoriale, eh bien, on a tendance à ne plus vouloir jouer la fonction de père. Et dans les familles, même quand il y a le père et la mère, la maman et le papa, très souvent, le père ne joue plus la fonction de père. Il laisse la maman s'occuper des enfants et il ne dit rien. Et l'inconvénient, bien sûr, c'est que si cette fonction de père, cette fonction séparatrice n'est pas jouée, très souvent, les enfants ont des difficultés à intégrer les limites. Oui, et dans les écoles, la fonction de père n'est pas assumée, par exemple, par les professeurs féminins, par les institutrices, etc., ou pas souvent totalement assumées. Oui, parce que la fonction de père est considérée comme sexiste et autoritaire, et on a tendance à ne plus en vouloir. Alors déjà, il y a le fait qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'enseignement, mais il y a aussi surtout le fait que même les hommes ont tendance à ne plus vouloir jouer cette fonction. Et à materner les élèves ou les écoliers. Sans être vraiment dans le maternage, c'est-à-dire qu'on ne joue pas tellement cette fonction séparatrice. On est plutôt dans la négociation, on essaye de s'adapter. On dirait presque qu'on n'est plus dans l'éducation, on est plutôt dans la séduction ou dans la séducation maintenant. On essaye de comprendre l'enfant, on essaye d'aller dans son sens. Et c'est le contraire de l'éducation qui consiste à conduire hors d'eux. Alors qu'avec la séduction, on le ramène à soi. Votre réaction à ce que vient de dire M. Gabart, docteur Van Meteren? Alors, je pense que ce qui est évoqué dans la fonction paternelle, c'est ce qu'on classiquement on appelle la loi symbolique du père, qui est donc
dans cette métaphore freudienne, le père qui vient mettre une limite, qui vient jouer le rôle de tiers auprès, entre l'enfant et la mère, qui de ce fait-là, si vous voulez, met une limite aux choses. Alors c'est sûr que dans notre société actuelle, il y a une espèce de climat culturel qui laisse à penser que tout est possible tout le temps et que cette fonction symbolique de père n'est jouée que par très peu de gens. Et en particulier, la grande difficulté de nombreux pères d'assumer cette fonction-là, parce que, compte tenu de l'histoire dont on a un peu parlé, c'est affirmer que cette fonction paternelle est importante, c'est d'emblée pouvoir être taxé éventuellement de sexisme, de vouloir continuer à perpétrer la domination masculine, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc, effectivement, dans ces familles, il est très important que cette fonction paternelle soit assurée. Alors, cette loi symbolique du père était aussi constituante de ce qu'on pourrait appeler une organisation de la famille verticale, c'est-à-dire qu'il y avait symboliquement le père qui détenait l'autorité, qui prenait l'essentiel des décisions, qui transmettait aussi, il y a une œuvre de transmission de toute une série de valeurs, d'un patrimoine, de tas de choses. Cette famille verticale, compte tenu de l'évolution sociologique dont on pourra peut-être parler, les familles étant éclatées, cette famille verticale est complètement remise en question. Et on a plutôt affaire à une famille horizontale où, disons, on pouvait espérer qu'il y aurait une espèce d'autorégulation qui ferait que chacun pourrait assumer les différentes fonctions nécessaires à l'éducation. Mais il s'avère, à l'expérience, que c'est extrêmement difficile et que il y a toujours une espèce de nostalgie de cette fonction verticale, de ce père symbolique qui n'existe plus, en fait. Nous n'avons pas le temps. C'est pas une nostalgie, c'est une nécessité qu'il y ait cette fonction séparatrice pour le bien de l'enfant. Nous n'avons pas le temps de nous projeter dans l'avenir. On a essayé de faire un constat avec justesse, je pense. On a essayé de bien cerner les différences et aussi les complémentarités. Que sera demain? Nous le vivrons. Je vous remercie, docteur Jean-Paul Van Wetter, et je vous remercie, monsieur Jean Gabart, de votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Le féminisme et ses dérives, rendre un père à l'enfant roi. Merci pour votre présence à notre émission. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt, et je vous invite maintenant à ouvrir l'agenda des prochaines activités laïques. Ça se passe près de chez vous. Voici quelques activités laïques inscrites à l'agenda des prochaines semaines. La Pensée les Hommes organise le samedi 17 novembre de 9h à 18h à l'ULB un colloque intitulé « Quel islam pour la capitale de l'Europe du XXIe siècle ? Comment faire de l'islam d'ici un vrai pilier de notre démocratie de pacification ?» Dans le cadre du cycle Laïcity, un débat sur le thème « Laïcité et religion » est organisé le dimanche 18 novembre à partir de 15h à Verviers. Soirée de lancement de la quinzaine des médias dans le cadre de la campagne immédiat.org du Centre d'Action Laïque, le mardi 20 novembre à 19h30 au Vecteur à Charleroi. Les apocalypses seront au cœur d'une conférence débat donnée par Baudouin de Charneux le mardi 27 novembre à 20h à Jodogne. Diverses activités sont programmées dans le cadre de l'expo animation Enquête d'identité, proposée jusqu'au 7 décembre au Centre culturel de Thon. Le numéro 88 de la revue La Pensée et les Hommes, intitulé Grand Parler 2012, vient de paraître.